L'éducation numérique et la mise en place d'un cadre juridique sont deux mesures proactives pour la protection des mineurs sur Internet, a indiqué mercredi à Rabat le secrétaire général de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, Lahoussine Anis, s'exprimant lors d'une conférence sous le thème « La protection des données à caractère personnel et des mineurs sur Internet » organisée conjointement par la SNDP et le Centre suisse pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève. Monsieur Anis a mis l'accent sur le rôle de la société civile et de la famille pour sensibiliser les mineurs aux dangers du net et tirer profit des bonnes pratiques du numérique. Tous débattre et réfléchir comment avoir une approche systémique et continue qui va permettre un peu aux enfants marocains de se prémunir et faire face aux différents dangers qui guettent nos enfants sur Internet, quelle que soit leur forme. Surtout en mettant l'accent sur une protection efficace des données personnelles qui peut être la première ligne de défense contre ces dangers d'Internet qui visent nos enfants. Pour sa part, le président du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, Youssef Bentaleb, a indiqué que cette conférence se veut une occasion de renforcer la lutte contre la cybercriminalité et plus particulièrement les attaques commises contre les mineurs, ainsi que de mieux protéger les données à caractère personnel. Ajoutant que la protection des mineurs sur Internet est avant tout une question d'éducation au numérique, du comportement équilibré et du respect des règles de sécurité. C'est l'occasion pour mettre le point sur ce qui a été comme moyen de sensibilisation et également de prise en charge des internautes, en particulier les enfants. Et c'était aussi l'occasion pour nous, en tant que Centre marocain de recherche polytechnique, pour présenter les résultats de l'étude en fait, analytique que nous avons faite pour analyser le comportement des enfants et leur en fait ce qu'ils font sur Internet. Ont pris part à cet événement des experts et des chercheurs internationaux, des représentants de la CNDP, de l'autorité judiciaire, de la société civile et des services de sécurité marocains.